Nos bio-caronneuses et caronneurs, j'ai nommé la Volte Gaillarde. Nous voici à Chinon. À l'époque médiévale, une journée placée sous le signe de l'histoire, mais avant tout du plaisir. Des beaux murs, des belles maisons, de l'ambiance. Il y a une ambiance conviviale énorme. Il y a du monde. Il y a du très bon cabernet franc. On aime beaucoup Chinon pour ce marché médiéval. En plus, on y habite. On habite en centre-ville, donc autant profiter pour participer, en fait. Voilà. Bah, ce qui me plaît, moi, c'est le côté traditionnel. Donc revoir un petit peu comment ça se passait il y a quelques siècles. Ici, les visiteurs trouvent leur bonheur entre vins et douceurs. Et il y en a même qui osent toucher à Rabelais. Illustré par Pef, qui est un des plus grands illustrateurs jeunesse en France actuellement. Et le mariage de Pef et de Rabelais, qui n'avait jamais été fait, est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est jubilatoire, c'est très drôle et c'est pour de 7 à 77 ans. Une sixième édition qui confirme le succès de la formule. Dans une ville au décor naturellement moyenâgeux, beaucoup ont déjà prévu de revenir l'année prochaine.